Rebonjour! Aujourd'hui, le bonheur, pour moi, le bonheur, c'est simple. Et aujourd'hui, c'était ceci. J'ai trouvé ça au Dollarama, puis j'étais comme, pah! Ceux qui disent qu'il y a juste la merde au Dollarama, ce sont des menteurs. Parce que j'ai trouvé ceci, puis j'étais excité. C'est là, j'ai accouru à la maison, je trouvais que c'était comme un upgrade. Maintenant, je pourrais mettre des petites lettres et des papiers importants, et aussi mes clés. Là, je suis excité, puis là, je l'ai installé, puis j'ai pensé, Sid, que vous aimez ça, regardez ce que je fais. Je vais vous inclure dans le processus. Donc, ça, c'est ma source de bonheur aujourd'hui. Très simple, ça m'a rendu heureux. Si j'avais une mauvaise journée, ceci aurait réglé tous mes problèmes. Là, je vais l'installer. Donc, on va ôter l'autre que l'ex-propriétaire de la maison, qui n'avait aucun goût, a installé ça. Puis là, on va installer ça, tu les as vus, ça. J'utilise un tournevis étoile Mastercraft pour sa garantie à vie. Donc, ceci, je vais en avoir un jusqu'à ma mort, bien sûr. Bon! Comme vous voyez, ce n'est pas peinturé, hein? Non, non, ce n'est pas peinturé. L'autre propriétaire, lui, c'était tough. Peinturé tout le mur. Tina, pourquoi les gens sont lâches, Tina? Let it go, friend. Bon. Mais vous voyez, c'est un peu... Ça tombe bien, c'est comme une leçon de vie. Dans la vie, quelque chose qui peut paraître frustrant et tannant, quand on prend le temps de le regarder, ça peut être réglé avec deux petits coups de pinceau. C'est juste ça. Soit là, je vais aller descendre dans la cave, crier vraiment fort, et ensuite peinturer ça, et je pourrais installer mon petit morceau de bonheur. Bon, sur ce, je vais aller, et on se reparle la prochaine fois. Merci.